Cette chronique est une présentation de Marilyn Roy, massothérapie. Bonjour, mon nom est Marilyn Roy, je suis massothérapeute au Lac-Mégantic. J'ai invité Sylvie Bilodeau aujourd'hui pour nous donner des exercices pour aider à étirer le corps, pour pas qu'on garde de tension musculaire dans notre corps, pour qu'on soit plus, pour avoir une meilleure souplesse et en même temps garder un bon tonus musculaire. Alors, je vous présente Sylvie, elle est professeure de yoga aussi au Lac-Mégantic. Alors, Sylvie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre corps pour qu'on soit tonique, mais en même temps, relax? Oui. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Sylvie Bilodeau. Comme je vous avais montré sur ma page Facebook Sylvie Bilodeau Yoga en décembre, on a fait la salutation soleil debout. On le fait debout avec la chaise. Maintenant, on va la faire seulement sur la chaise. Alors, vous aurez la chance de le faire à la maison sur la chaise. Alors, on améliore la souplesse, le cardio, flexibilité et bien sûr la respiration. Alors, tout le monde, on amène les mains Anjali Mudra, juste pour se déposer. À l'inspiration, mains vers le ciel, on étire jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, on plonge, le dos est long, on roule les hanches par-dessus les cuisses. Amène les deux mains sur les genoux, fais un grand dos, allonge ton dos du bas du dos au sommet de la tête. On pousse dans les pieds, on déroule vertèbre par vertèbre pour se redresser. Mains vers le ciel, inspire. On va aller chercher le genou droit. On amène vers l'abdomen, on allonge, expire. On fait la planche tout le monde, inspire, deux bras, deux jambes vers le ciel, ouvre les orteils, ouvre les bras, expire. On s'en va tout le monde faire le cobra, inspire, main vers le ciel. Alors on plonge une dernière fois, main dans le bas du dos, on roule les épaules derrière. On regarde au sol. Pousse dans tes pieds, déroule vertèbre par vertèbre. Main vers le ciel. Inspire, on va chercher le genou gauche. Et on allonge. Expire. Alors, on le refait une dernière fois. On amène les mains Anjali Mudra. Inspire, main vers le ciel. Expire, on plonge. Grand dos, inspire. Pousse dans les pieds, déroule vertèbre par vertèbre. Main vers le ciel. On va chercher le genou droit. Expire. C'est la planche, tout le monde. Inspire. Expire. Alors, on s'en va au cobra. Inspire, main vers le ciel. On plonge, le dos est long. Ramène tes mains dans le bas du dos. Et on roule les épaules derrière. Pousse dans les pieds, déroule vertèbre par vertèbre. Main vers le ciel. On va chercher le genou gauche. Et on allonge. Expire. Inspire, main vers le ciel. Un dernier plongeon, ton dos est long. Roule les hanches par-dessus les cuisses. Et pousse dans les pieds, déroule vertèbre par vertèbre. Main vers le ciel, namasté. Expire. Merci beaucoup, Sylvie. Ça fait plaisir. Alors, au niveau des exercices, la salutation au soleil, comme je disais, ça apporte du tonus au niveau des muscles et en même temps, ça relaxe la musculature qui est plus tendue. Alors, c'est très important de ne pas accumuler de tension musculaire dans le corps. Ce que je vous suggérerais au niveau de la salutation au soleil, c'est de la pratiquer régulièrement, tous les jours. Vous pouvez le faire sur une chaise, c'est pas compliqué. Et puis, ça vous aiderait au niveau de toutes les petites douleurs que vous pouvez avoir au quotidien. Alors, s'il y a des douleurs qui vous persistent, vous pouvez toujours venir me voir pour un soin de massothérapie.
Alors, vous pouvez me rejoindre via ma page Facebook. Merci. Cette chronique est une présentation de Marilyn Roy, massothérapie.